tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes achats de chez Action. Donc ça faisait à peu près 3 semaines que j'y étais pas allée, donc j'avais hâte d'y retourner. J'y suis retournée, j'ai trouvé pas mal de choses, il manque 2-3 petites choses que j'ai pas trouvées, mais c'est pas bien grave. Donc bah voilà, je vais vous faire voir ça tout de suite. Je me suis pris un petit pot, enfin un petit gobelet, voilà, je le trouve super beau. Donc je sais pas si ce sera pour mettre ma brosse à dents ou pour mettre des stylos. Donc c'était 62 centimes. Voilà. Pour continuer dans le même style, il y avait des jolis bols comme ça. Voilà. On en a un ananas. Donc c'était 69 centimes. On en a un comme ça. Celui-là aussi. C'est vrai qu'ils sont magnifiques. Et celui-là aussi. Franchement, je ne saurais pas lequel choisir. Donc ce sera, je sais pas, pour mettre des biscuits apéro. Je sais pas. Donc c'est en plastique. Il y en a un de tombé. Ensuite, dans le même style, il y a ce gros saladier là. Donc le prix, alors attendez, 1,89€. Ensuite, j'ai pris le petit panier comme ça. Donc c'est 99 centimes. Et je me disais, sur mes étagères, mettre une petite punaise, un petit crochet. Voilà, et puis suspendre des petites choses. Donc j'en ai pris deux. Ensuite j'ai enfin trouvé la colle dont tout le monde parle à 99 centimes. Donc j'en ai pris deux. Alors c'est vrai que maintenant j'utilise plus ma colle Zig, mais bon, ça peut être utile aussi. Puis à ce prix là, je me suis pris des petites boîtes Tupperware pour ranger des petites choses. Je sais pas quoi, franchement, sûrement des dies ou des choses comme ça, des petites cartes. Et donc c'était 1,09€ et il y en a 3. Je me suis pris ce joli carnet, 1,59€. Voilà. Donc ouais, il est un peu abîmé. Et voilà. En carnet aussi, j'ai pris celui-là. Alors, j'aime pas la couverture, mais moi, ce que j'aime chez les carnets, c'est les spirales. Ça, c'est mon truc. Et les pages lignées, comme ça, elles sont super bien. Donc, je pense que je le recouvrirai avec du papier Action. 1,16€. Donc, tout ça, c'est plein de petites choses. On verra après. J'ai pris pour ma fille un casque Bluetooth sans fil, 14,95€, donc elle l'a déjà pris. Et oui, j'ai pris, super intéressant, donc c'est bien pour les toilettes, hein, c'est pas pour le scrap, mais à 50 centimes ça permet de les changer régulièrement. Parce qu'avant je nettoyais la javel et tout, mais c'était galère, maintenant je les change régulièrement. Une poubelle, voilà, comme ça, 2,89€. Voilà, elle est assez grande. Et dans le fond, des biscuits pour mon chien. J'ai pas le prix, par contre. J'ai pris mon premier paquet de Strass. C'est surtout que j'ai pris beaucoup de petites choses pour mettre dans les envois, parce que jusqu'ici, j'avais pas grand-chose, donc... Et puis bon, j'ai encore jamais fait de l'audit d'enveloppe ou de happy enveloppe ou des choses comme ça, mais j'aimerais bien m'y mettre. Donc j'ai pris des petites choses que je pourrais mettre dedans. Donc voilà, 1,99€. Un lot de 3 pinceaux. Voilà. 0,99€. Une jolie boîte. Donc ça, c'était au rayon papier cadeau. Il y a eu plusieurs modèles, j'ai pris celle-là, 1,19€. Voilà. Ensuite,
Ensuite, j'ai pris des cartes comme ça avec leurs enveloppes. Donc, il y en a 8, donc c'est 65 centimes. J'en ai pris 2 et j'ai pris la taille au-dessus, 65 centimes aussi. Donc celles-là, elles font voilà, celles-là font 13 par 13. Mais non, mais en fait, c'est les mêmes. Non, celles-là sont plus grandes. Ah oui, celles-là font 15 par 15, les cartes. Celles-là, 13 par 13. Là, je me suis trompée, en fait. Je voulais prendre 2 fois 2 de 13 et 2 de 15, et j'ai pris 3 de 13. Bon, bah tant pis. Ensuite, j'ai pris la... C'est de la Twin, hein, c'est ça. Donc 99 centimes. Voilà. Donc, je n'avais encore jamais pris, je les voyais mais je ne les prenais pas. J'ai enfin trouvé les peintures métalliques. 1,89€. Et j'ai pris ça en rayon boîte de rangement, donc c'est pour mettre dans le frigo, mais je voudrais voir si ça peut être utile pour ranger mes feutres à alcool. Ensuite, j'ai pris une petite paire de ciseaux, 68 centimes. Une perforatrice petite fleur, 99 centimes. Et une autre fleur comme ça, 99 centimes. J'ai repris du double face parce qu'il y a 35 centimes, hein, franchement. Donc c'est le fin, j'ai pas pris le gros. J'ai refait le plein de petites pochettes comme ça parce que c'est très pratique pour les envois, pour ranger des dice, pour ranger des photos, pour ranger plein de choses. Donc 89 centimes, donc là j'ai du 13 par 13, donc il y en a 50. J'en ai pris 2. Après il y a le format A6, 89 centimes aussi, il y en a 50. Ensuite j'ai pris du 15 par 15, pour ranger les cartes ça peut être pratique. Il y en a 50 toujours, 15 par 15 aussi, voilà. Ensuite, j'ai refait le plein d'enveloppes. Donc des formats C5, il y en a 25 à 65 centimes. Le format C6, 50 à 59 centimes. Ensuite, j'ai pris ça peut-être pour faire des albums, pour essayer. Donc 85 centimes, il y en a 25 et j'en ai pris 2. Ensuite, des grandes enveloppes comme ça à bulles, il y en a 3, 99 centimes. C'est un peu plus grand que du A4. J'en ai pris 2. Et celui-là à 85 centimes, il y en a 10, c'est du format C4. Et pour faire les mini-albums avec les enveloppes, d'habitude dans les vidéos que je vois là, le derrière est comme ça. Et là, il est comme ça. Donc, je ne sais pas si on peut faire la même chose. Si vous pouvez me le dire en commentaire, ce serait gentil. Merci. Faut vraiment que j'essaye cet album. Ensuite, je suis contente. J'ai enfin trouvé... Enfin, je crois que je les avais déjà vues une fois, mais je ne les avais pas prises. Mais là, finalement, je me dis que pour les envois, pour offrir des petites choses, c'est sympa. Donc, ça fait ce format-là. Et là, à la fin, on a les petits die cuts. J'en ai pris 2. J'en ai pris un de ce format-là. Donc, ça fait des petites pochettes avec des anses comme ça. Donc, 99 centimes à chaque fois. Les motifs sont très jolis. Et j'ai pris celui-là. Alors, ça a l'air d'être un truc comme ça, un peu triangulaire. 99 centimes. Donc, à chaque fois, il y en a 20. Donc là, j'aime pas du tout les couleurs, les motifs. Mais ça peut être utile un jour. Ensuite, j'ai pris des stickers chat. Je sais pas encore ce que j'en ferai, mais donc 49 centimes. Et il y en a derrière. Donc ils sont vraiment mignons. Hein. Et j'ai pris la même chose, mais avec des chiens. Ensuite, au rayon enfant, j'ai trouvé, enfin ça aussi c'était au rayon enfant, des stickers comme ça, 75 centimes. Je me dis pour faire des petites ATC ou une carte pour un enfant. Voilà.
Et j'ai trouvé les... Donc c'est 75 centimes. Et j'ai trouvé les mini qui sont super jolis. Donc là, j'ai hâte de faire, des, je pense, des ATC avec ça. Et puis, pour rigoler, j'ai pris celle-là pour mon mari. L'autre fois, il me dit, attends, je vais faire une carte avec toi. Elle me dit, t'as des trucs de garçon. Alors, je lui dis, bah non, j'avais rien. Donc voilà, si un jour il a envie de faire une petite ATC avec moi. Ensuite, je suis contente, j'ai repris mes blocs. Vous savez, en ce moment, je vous en parle beaucoup, qu'on peut faire plein de choses parce que tout est à la sortie. Donc, je trouve ça génial. Donc, en fait, j'ai repris deux de chaque de ceux que j'aimais. Donc, j'ai pris deux fois celui-là. Donc, c'est celui, je ne vous remontre pas en détail, mais... Voilà. Ça, j'aime beaucoup. J'ai pris deux fois. Ensuite, j'ai pris deux fois celui-là. Donc, c'est 1,69 €. Donc ça, c'est pareil, c'est très joli. Et après, je me suis trompée. Je voulais prendre deux fois celui-là. Mais en fait, j'ai pris une fois celui-là et une fois celui-là. Donc celui-là. Ou alors je voulais en les prendre qu'une fois. Peut-être que j'avais changé d'avis, je sais plus. Et celui-là. Donc voilà, il y en a 6 à 1,69 €. Ensuite, je vais changer de position pour vous faire voir toutes les petites choses qu'il y a là-dedans. Je vous reprends tout de suite. Donc voilà, là il y a plein de petites choses. Hop. Donc le beau saladier que je vous ai montré tout à l'heure. Donc j'ai pris des petites fleurs comme ça. Donc trois petits sachets. Donc il y en a 30, 49 centimes. Donc je les ai pris en jaune, en rose et en bleu. Ensuite, je crois que c'est au rayon enfance et des autocollants en feutrine. Donc on a des petites fleurs de plusieurs tailles et plusieurs couleurs. Il y en a 200 et c'est 75 centimes. Et dans le même style des papillons. Ensuite, au niveau décoration de table, j'ai pris des petits pics à cocktail à 55 centimes, il y en a 24. Ensuite, j'ai pris un gros lot comme ça de sequins de différentes formes, différentes couleurs. Donc 99 centimes, il y a 12 formes différentes et 12 couleurs différentes. Ça pour mettre dans les envois, c'est sympa aussi. En petites fleurs comme ça, il n'y avait que cette couleur-là. Donc moi j'ai pris un paquet, donc il y en a 12 et 59 centimes. J'ai pris des brads, alors je ne les ai pas tous pris, hein, j'en ai pris deux comme ça qui me plaisaient. Donc 89 centimes. J'ai repris 10 boutons, donc j'avais déjà un lot comme ça, mais dans les tons rose, mauve. Et là, on est dans les tons bleu, vert. Et il faudrait que je vous fasse une vidéo comment je fais des créations à base de boutons. Donc ça, c'était 1,69 €. Et ensuite, les washi tape. Alors, on a celui-là. Donc c'est toujours 89 centimes. Ouais, ton rose, flèche, petit pois et puis là les cils. Dans les tons roses, donc là on a un violet, un rose à petites rayures blanches et des petites fleurs roses. Là on a une écriture, c'est Make It Happy. Des petits cœurs violets et puis du rose avec des petites lignes. Ensuite dans les tons verts, donc on a super là des cactus. Là il y a écrit Today. Voilà. Et là, du vert avec des lignes.
Celui-là, j'ai adoré, ça peut être sympa. Donc, on a une nuit étoilée, des petits nuages, et là, c'est écrit Moment Matters, je crois, ou Événement Matters. Voilà. Ensuite, en argenté, vous n'allez peut-être pas très bien voir. Donc, là, on a des petites croix, là, on a des petites boucles, et au milieu, je ne sais pas trop. Des petites plumes, peut-être. Celui-là, pareil, les mêmes tons, mais géométrique. Et un dernier rose. D'ailleurs, je me demande si je ne l'ai pas déjà, celui-là. Donc là, c'est écrit Happy, des ronds violets et des flèches. Voilà. Voilà pour mon haul action. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, me laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!